C'est sympa ces petits tutos cuisine sur YouTube. Ça me donne envie d'en faire un. Tiens, je vais aller faire à manger. Bah, faire à manger, je veux bien. Et le booster dans tout ça? Bah non, je l'ai déjà trouvé ce matin, donc voilà, c'est tout. Si j'ai envie d'aller faire un tuto cuisine, je fais un tuto cuisine, puis je t'emmerde. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce tuto cuisine. Qu'est-ce qu'on aime cuisiner en s'amusant? Et on va faire aujourd'hui une omelette comme ça. Plaisante et si vite. Ouais, je vous ai niqué. Donc pour faire une omelette, qu'est-ce qu'il faut? Bah il faut des œufs, il faut 4 œufs. Oh mais des œufs de quoi? Des œufs de quoi? Des œufs de ta gueule. Je t'ai dit, il faut 4 œufs. Tu prends 4 œufs, tu prends un œuf comme ça, tu fais. Et tu l'ouvres, et là, oh mon dieu, un petit poussin qui est mort. J'emmerde les véganes, je m'en bats les couilles. On fait le deuxième. Hop. Et voilà, ça fait 4 œufs. C'est pas compliqué, c'est quoi? Jusque 4, si tu sais pas, tu retournes en maternelle. Alors maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? Bah, c'est tout quand tu prends un œuf comme ça, puis tu remues. Distance-toi, on dirait que tu fais autre chose, un peu comme ce que je faisais avec ta mère hier. Il suffit juste de mélanger comme ça. Tu mélanges jusqu'à avoir une petite pâte comme ça. Je vais te montrer, t'inquiète. Après, tu peux ajouter un petit peu de poivre, comme ça, tac 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 tac. Un petit peu de sel, comme ça, tac tac tac. Oh, mais quelle quantité! Mais t'en mets une pincée, toi, tu le pèses, pas une fessée, une pincée. Puis tu remélanges comme ça, tac 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 tac. Une fois que t'as fini de mélanger, tu peux rajouter soit des petites naquilles, soit du jambon, tu mets ce que tu veux. Moi, je vais essayer de mettre un peu d'amour. Et après, t'as plus qu'à mettre dans une poêle, tu fais chauffer, t'as ton omelette, voilà, c'était pas compliqué. Et après, t'as plus qu'à la déguster. Allez, voilà, tente-toi ces chocolats. Ah, ils comprennent rien, ces jeunes. Ils y connaissent rien en cuisine. C'est pour ça qu'on s'ouvre les grands créateurs. Parce que c'est fait pour les grands. Pour ceux qui savent cuisiner, les vrais de vrais, comme moi. Alors, sans plus tarder, on s'ouvre ça. On s'ouvre ça. Est-ce qu'on va avoir un peu de plats cuisinés, des bateaux sushis, tout ça? Est-ce qu'on a dans le grand créateur? Je crois pas. Mais on verra que si on l'ouvre, ce satané booster. Et si on est chanceux, si on est lucky. Eh ben, on va rester avec Lucky. Regardez, il y a une petite carte qui est payée. C'est du Made in China, ça encore. Un secteur sauterelle pour la première. Il y a des camarades. Téléporteur d'urgence. Exauceur capable. C'est pas mal d'exauceur comme ça. Du Gokipol, assez rigolo. Du Gokipol, il y en a plein. Mais... Oh, forêt des fleurs perdues. Les jours, ça fait une petite forêt enchantée. Et d'un moment, une exauceur. Gerbinol, une super rare. L'exauceur, elles sont jolies, les exauceurs. J'aime bien cet archétype. J'aime bien. Donc, on n'a pas de quoi faire de la cuisine, mais avec l'exauceur, on a de quoi battre les œufs. Allez, c'est parti. Bisous, tendresse et chocolat, je l'ai oublié. Sinon, j'ai fait une omelette pour ceux qui veulent. Non, ça va aller. Très bien comme ça. C'est bien mieux.